On peut vivre avec le VIH et ne pas être contaminant, vrai ou faux. Autrement dit, une personne porteuse du VIH peut avoir des rapports sexuels non protégés et ne pas contaminer l'autre, vrai ou faux. Alors, il faut savoir que la recherche est si avancée aujourd'hui que cela est possible sans courir de risque. Ceci à une condition. La charge virale de la personne séropositive doit être indétectable. Mais qu'est-ce qu'une charge virale indétectable? L'on en parle lorsque la quantité de virus dans l'organisme devient si faible qu'elle n'est plus repérée. En général, cela est calculé à moins de 20 copies de virus par millilitre de sang. Le phénomène ne s'observe que si l'on suit rigoureusement son traitement antirétroviral. Il faut 3 à 6 mois de traitement pour que la charge virale d'une personne séropositive devienne indétectable. Cela empêche donc la transmission du VIH-Sida lors de rapports sexuels, même non protégés. Et il est possible, si on le souhaite, de faire des enfants qui naîtront, eux, séronégatifs. Voilà pourquoi on dit indétectable égale intransmissible.